Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Wisdom Room Talk. Je suis ravie de vous retrouver dans la chambre de sagesse, cet endroit où il fait bon vivre, où nous prenons plaisir à parler de plusieurs thématiques à cœur ouvert, en toute authenticité pour vous bénir. Et aujourd'hui, j'ai à cœur que nous parlons d'un thème qui, je le crois, va encourager plusieurs personnes. L'histoire n'est pas encore finie. C'est une déclaration de foi, c'est une déclaration prophétique pour dire à quelqu'un que quel que soit ce que tu as eu à commettre, à faire, l'histoire peut encore continuer. Et pour en parler, je ne suis pas seule, je suis avec mon amie, ma sœur, le pasteur Karel Amboué. Bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur Aïda, comment ça va ma sœur? Ça va très bien, je suis tellement contente de et te voir. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver dans la chambre de sagesse, parce qu'on sait qu'on ne ressort jamais comme on est entré, donc j'ai hâte. Moi aussi j'ai tellement hâte, est-ce que tu peux te présenter un peu? Moi je te connais. Hein. Ah oui, c'est sûr. Alors, je suis le pasteur Karel Amboué, la fille spirituelle de l'évêque Mastik Joktan et épouse de l'évêque Michel Amboué, des ministères Christ révélé aux nations. Donc, voilà, je suis là avec vous et j'ai hâte de vivre ces moments que nous allons partager ensemble dans la chambre de sagesse. Yes! Ah, vraiment, merci Seigneur pour ces temps. Et je crois vraiment que le thème qu'on va aborder est tellement important parce que j'ai remarqué en toutes ces années qu'il y a beaucoup de personnes qui, à un moment donné de leur histoire, se retrouvent disqualifiées par tellement de choses. Par les circonstances, par la famille, par elles-mêmes parfois, hein, par leurs erreurs. Mm-hmm. Et je ne sais pas si, à un moment donné du parcours, mm-hmm. toi aussi, tu as eu à vivre des temps un peu comme ça. Ah. Et si tu as quelque chose à dire pour encourager mm-hmm. une personne. Et bien sûr, si j'ai quelque chose à dire. Et j'aime beaucoup d'ailleurs ce thème, ton histoire n'est pas encore finie. Tu sais, je parlais d'ailleurs ce matin avec une de mes filles et je lui disais qu'en fait, tant que le boxeur est toujours debout, le match n'est pas encore fini. Vous savez, plusieurs d'entre vous, je ne sais pas si vous avez regardé le film Rocky, mais c'est un film en tout cas que mon mari aimait beaucoup. Et ce que j'ai aimé avec Rocky, c'est que vers la fin, il y a une partie où il reçoit tellement de coups de son adversaire et à un moment, il est par terre. Et pendant qu'il est par terre, son adversaire bombe le torse. Il fait genre, je suis vainqueur. Et là, à ce moment, on entend dans la foule les amis de Rocky, « Rocky, lève-toi, lève-toi !» Et là, Rocky, un peu comme toi, moi, commence à bouger le doigt, commence à bouger le pied. Mmh. Et là, il se lève. Et là, à cause de ses amis dans la foule, il reprend courage. Wow. Et j'aime beaucoup cette illustration, tu vois, parce que parfois dans la vie, c'est comme ça. La vie nous donne tellement de coups. On passe par des moments difficiles, le rejet, des épreuves. Ça peut être un avortement, ça peut être une perte, ça peut être une opportunité qu'on a ratée. Et parfois, on a l'impression qu'on est isolé. Mmh. Tu sais, moi, dans mon cas, parce que je n'ai pas grandi avec mon père et ma mère, quand même mes parents m'aimaient, du coup, je n'ai pas pu évoluer avec eux. Et une période de ma vie, tu sais, la période d'adolescence, là où on est, on se cherche, on ne connaît pas notre identité, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est. Et donc, dans cette période, je me sentais tellement dépressive, je ne me sentais pas aimée, en fait. J'avais un sentiment constant de rejet. J'avais l'impression que je n'avais pas ma place. Et là, tu vois, dans cette phase, c'est vrai que je n'étais pas encore chrétienne, mais j'avais l'impression que ma vie n'avait pas d'importance. Et donc, j'ai essayé de me suicider 6. Et ce n'est pas une petite tentative. J'ai vraiment essayé. Je me rappelle la troisième tentative. Bah, je me rappelle juste que j'étais en salle de réanimation. Et quand je m'étais réveillée, eh ben, la sage-femme m'avait dit, vous avez eu de la chance. Hein? C'est parce que votre frère est médecin qu'on vous a... Parce que tu sois dans mon pays, quand tu essayes de te suicider, tu n'es pas une priorité quand tu arrives à l'hôpital. Parce que les infirmières considèrent que comme tu as essayé de t'ôter la vie, on va d'abord s'occuper des vrais gens. Et donc, ce jour-là, je pense que Dieu considérait que le match n'était pas encore terminé pour moi, en fait. Et même si le diable ou même la vie avait essayé de me faire croire que je n'étais pas importante, que voilà, je n'avais rien à offrir ou à donner, ben, l'arbitre de ma vie n'avait pas encore donné le dernier coup de sifflet. Et parfois, plusieurs d'entre nous, et peut-être vous qui me regardez, vous pouvez avoir l'impression que les gens vous disqualifient, qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de lueur à l'horizon qui vous donne envie de croire. Un peu comme cette femme dont Luc 7, dont la Bible nous parle. La Bible dit que c'était une femme pécheresse. Mmh. La Bible dit d'ailleurs que lorsqu'elle arrive dans la présence de Jésus, les personnes qui étaient là, Simon, se dit que mais si Jésus était vraiment un prophète, il aurait su que c'est une femme pécheresse. Mmh. En d'autres termes, lorsque cet homme-là regardait cette femme, elle était disqualifiée, elle n'était pas digne d'être dans la présence de la grâce. J'ai envie de dire à quelqu'un que même quand les gens vous disqualifient, la grâce ne vous disqualifie pas. Yeah. Cette femme était dans la présence de Jésus. Elle savait que c'était exactement l'endroit où elle devait être.
Et je suis en train de dire à quelqu'un que même si les hommes vous disqualifient, tant que Jésus ne vous disqualifie pas, enfin, vous avez toujours le droit de continuer. Allez-y au pied du maître. Cette femme s'est restaurée parce qu'elle était au bon endroit. Et c'est là où le diable nous gagne six parfois. Parce que lorsqu'on passe par ce genre de situation, on n'a plus envie de prier. On se dit, mais je vais prier pourquoi? Parce que si vraiment Dieu exaucait les prières, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Tu vois, mais je ne sais pas toi, comment toi tu as... En fait, je voulais même revenir sur quelque chose qui m'a bénie. Mm-hmm. C'est quand tu parlais en fait du contexte dans lequel tu as grandi. Mm-hmm. J'ai été vraiment touchée, mm-hmm. Sans ta mère, sans mm-hmm. ton père. Mm-hmm. Et ça m'a rappelé mon histoire. Oh, come on. Parce que j'ai grandi sans mon père. Oh, et come on. Ce qui était un peu particulier, mm-hmm. c'est que j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui avaient leurs parents. Donc parfois, les deux parents, donc parfois il y avait vraiment ce côté-là où mes copines me disaient « Non, moi mon père va venir me chercher au tennis, on ira faire telle activité, mon père viendra me prendre et tout. » Et parfois je me regardais, je disais « Mais pourquoi moi j'ai pas de père ?» Et je veux encourager une personne qui regarde et qui se dit « Moi il me manque une béquille, il me manque un appui. » Je veux encourager quelqu'un qui se dit « J'ai pas de père » ou peut-être « J'ai pas de mère » en disant que Dieu est le père des orphelins. De la même manière qu'il s'est révélé à moi comme le père de ma vie alors que j'étais sans père. Il me manquait des appuis. Il s'est révélé à moi comme le Dieu qui console. Yes. Je prie et je crois qu'il le fait pour toi. Et alors qu'on était en train de le dire et alors que si tu le disais, je trouve bon de rappeler effectivement que les circonstances ne doivent pas en principe siffler la fin de ton histoire. Tes erreurs ne doivent pas siffler la fin de ton histoire. Ta famille ne doit pas siffler la fin de ton histoire. J'ai envie d'aller même un peu plus loin. Toi-même, tu ne dois pas siffler la fin de ton histoire. L'arbitre par excellence pour nous qui avons cru, pour nous qui croyons, c'est le Seigneur Jésus. Et tant que lui n'a pas dit son dernier mot, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. J'ai envie que tu dises à quelqu'un, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu n'as pas le droit d'abandonner, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Prêche-moi ça. Et tu sais, Sis, une chose même que j'aime, c'est que Dieu est tellement un fin stratège, tu vois. Parce que moi, je dis souvent que Dieu, il est comme un architecte, tu vois. Parce que nous, quand on voit le pont est déjà construit, on voit juste le pont. Mais en fait, on ne sait pas qu'avant que les grands camions ne soient capables de rouler sur le pont, l'architecte a dû faire des tests. Et tu sais, parfois, j'ai l'impression que parfois Dieu permet ce genre de situation parce qu'il nous prépare, parce qu'il travaille sur nous, parce qu'il nous façonne. Regarde un peu l'histoire de Jephthé. La Bible dit que ses frères, vous pourrez lire dans Juges 11, la Bible dit que ses frères l'ont rejeté parce qu'il n'avait pas la même mère. Bon, certains théologiens suggèrent que sa mère était une prostituée. Et donc, quand ses frères ont grandi, ils l'ont disqualifié. Non, va là-bas. Donc, un peu comme toi, je ne sais pas par rapport à quoi les gens t'ont disqualifié. Est-ce que tes sœurs sont mariées? Toi, tu n'es pas mariée. Est-ce que tes sœurs ont des entreprises? Toi, tu n'as pas d'entreprise. Est-ce que dans ta famille ou dans ton environnement, les gens ont une certaine position sociale que toi, tu n'as pas? Et sur cette base, on te disqualifie. Mais ce que j'ai aimé, si, c'est que la Bible dit, quand Jephthé est parti, des gens de rien l'ont suivi. Et Jephthé n'a pas arrêté de croire en lui parce que les gens l'ont disqualifié. My God. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que les gens t'ont disqualifié que tu dois arrêter de croire en toi. Tu dois continuer de croire en toi même quand les gens ne croient plus en toi. Sur mon statut, j'ai écrit « Tant que vous croyez en vous, quand personne ne le fait, vous n'avez pas encore échoué. » Ça veut dire que tant que tu crois en toi, my God, la fin sera belle. Et Jephthé a continué à marcher. Et les mêmes personnes qui l'ont disqualifié, c'est souvent la partie de l'histoire que j'aime. Parce que Dieu est tellement stratège, Dieu est tellement bon. Il fait en sorte dans le schéma, dans son décor, j'aime l'appeler le scénariste par excellence. Il fait en sorte que les mêmes personnes qui t'ont rejeté, comme dans le cas de Jephthé, sa famille, ses frères, que ce sont les mêmes personnes qui viennent encore, à un moment donné, acclamer, regarder. Non, vraiment, un peu comme l'histoire qui me vient en tête, c'est ce paralytique-là qui est devant le temple à Pilnabène, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres. La Bible dit que tous les jours, il venait au même endroit. Il était disqualifié par les gens de sa famille, on le voyait là. Et lui, il n'avait qu'un seul espoir, recevoir des pièces. Et la Bible dit que alors qu'il était là, alors qu'il était à cet endroit-là, disqualifié, les gens le voyaient tous les jours passer comme ça. Personne ne s'occupait de lui. Jusqu'au jour où Pierre et Jean vont passer, ils vont dire ce que nous avons, on te le communique au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce qui m'a béni après, c'est la suite de l'histoire. La Bible dit qu'il va rentrer dans le temple et la Bible précise le peuple, tout le peuple le vit. Donc le même peuple
Les mêmes personnes qui le voyaient assis, sans but, les mêmes personnes qui le voyaient là, ils ne s'occupent pas de lui. Elles, ils ont acclamé. Elles, vraiment, elles se sont retrouvées maintenant en train d'acclamer. Elle dit, tout le peuple le vit marcher et se mit à louer Dieu. Je ressens l'envie de dire à quelqu'un qui est sous le son de ma voix que les gens se verront et se mettront à louer ton Dieu. Parce que tu n'auras pas abandonné. C'est vrai, ça paraît bizarre. On peut se dire, mais comment il venait toujours au même endroit, là où il n'allait pas recevoir quelque chose autre que des pièces. Mais Dieu connaissait son véritable besoin. Et Dieu savait qu'il y avait un jour. Il y a un jour. Et alors que je suis en train de te parler maintenant, j'aimerais te dire, c'est ton jour. C'est le jour où tu dois te lever. C'est le jour où tu dois te lever pour briller. Sur toi, la gloire de l'Éternel paraît. C'est le jour où tu dois dire, trop, c'est trop. Et comme la Bible a dit pour ce paralytique, dans ton histoire aussi, on dira que ta famille t'a vu te lever et s'est mis à bénir Dieu. Tes amis d'école qui ne croyaient pas en toi. Je vois quelqu'un qui m'écoute. Tu étais à l'école. On avait dit, cette filière, tout le monde pourra la faire, mais pas toi. Mais je vois, alors que je suis en train de parler, que tu rentres dans cette filière et tu auras des résultats plus excellents que les personnes même qui étaient qualifiées selon les hommes. Parce que la qualification de Dieu intervient bien souvent où l'homme dit non, c'est pas possible. Je vois Dieu frayer un chemin pour une personne qui va commencer à rentrer. Vois des personnes qui avaient des entreprises à cœur. Tu ne voyais plus de ressources. Non, mais c'est trop compliqué. Et tu t'es dit, l'histoire est finie. Je suis venue réveiller un rêve. Je suis venue réveiller une héroïne. Nous sommes venus, ma sœur et moi, pour réveiller des femmes qui étaient à terre. Et je dis, comme dans mon livre, il n'est pas trop tard, que tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. Tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. Je le dis une troisième fois, tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. Et tu sais, Sis, pendant que tu es en train de bouleverser mon esprit, my God, tu me donnes envie de prêcher. Il faut prêcher. Pendant que tu es en train de parler, tu as dit, lève-toi, il faut te lever. C'est vraiment important de le préciser. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, quand je vivais cette phase de ma vie où je me sentais rejetée, où j'avais l'impression que je n'étais pas aimée, vous savez, tant que vous vivez une vie de victime, votre situation ne change pas. Tant que vous avez le sentiment que vous vivez ça parce que les autres, votre situation ne change pas. À un moment, vous devez décider de vous lever. Et c'est pourquoi j'ai aimé, en fait, littéralement, quand tu as dit « lève-toi », c'est comme si le Saint-Esprit me dit « waouh, parle à quelqu'un ». Il y a quelqu'un qui est assis et qui est convaincu que sa situation doit changer. Mais pour que sa situation change, il faut que quelqu'un autour fasse quelque chose. Mais j'ai aimé ce que Jésus a dit à cet homme qui était assis au niveau de la piscine de Bethesda. Jésus demande à cet homme « veux-tu être guéri ?» Cet homme dit « je n'ai personne ». Parfois, pour être guéri, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as juste besoin de prendre une résolution. Tu as juste besoin de prendre une décision. À tes résolutions répondra le succès. Tu dois décider de te lever. Arrête de rendre les gens responsables de tes émotions. Arrête de rendre les gens responsables de tes échecs. Parfois, le propre sorcier de notre vie, c'est nous-mêmes. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, il faut que tu te lèves. Peut-être que tu as été rejeté et now what? C'est la saison où tu dois te lever. Tu dois aller vers le maître. Tu dois croire en toi. Tu dois prendre ton lit et tu dois marcher. Écoutez, cet homme est resté là 38 ans. Ça veut dire que quand Jésus lui dit « lève-toi et marche », ce n'était pas facile pour lui. Ça devait être douloureux après 38 ans. Parce que moi, vous savez, quand vous êtes resté longtemps allongé, pour vous redresser, il faut littéralement même des séances. Mais Jésus dit « lève-toi ». Ça veut dire que aussi difficile que cela puisse être, lève-toi. Même si au début tu titubes, tu tâtonnes, mais lève-toi. Tu dois croire en toi. Lève-toi, c'est pas facile, mais le maître a parlé. Et parce que le maître a parlé, sur la parole du maître, tu dois te lever. Prie Dieu alors que je suis en train de parler. Toi qui es sous le son de ma voix, peut-être que tu es sorti d'un divorce. Et à cause du divorce, tu penses que plus personne ne peut vouloir de toi. Il n'y a plus rien à faire. Peut-être que tu as commencé une entreprise, ça n'a pas marché. Et tu te dis, ça ne sert à rien, je ne peux plus me lancer. Peut-être que dans ta famille, tu as eu des problèmes, ça ne marche pas. Peut-être que ton fils, ton enfant est malade. Et tu penses qu'il n'y a plus rien à faire. Je dis, lève-toi. Peut-être que tu as arrêté de prier. Lève-toi, recommence à prier. Arrête de dire que c'est de la faute du pasteur. C'est de la faute de l'église. Lève-toi. Recommence à chercher Dieu. Recommence à aller vers la source. Recommence à t'attacher. Recommence à prier pour la soif de prière, la soif d'intimité, la soif de le connaître. My God. Amen, amen. Et j'aime ce que tu as dit. Je veux revenir sur l'histoire de ce paralytique-là. Come on. Parce qu'effectivement, quand Jésus lui pose la question, il dit, je n'ai personne. Come on. Mais je veux te présenter celui qui vient au secours de ceux qui n'ont personne. J'aimerais te présenter celui qui vient au secours
de ceux qui n'ont pas de relation. Mmh. Ceux qui disent « je n'ai personne », il est lui-même la relation qu'il te faut. My God. Il est la relation par excellence. Il est la meilleure relation que tu dois chercher à avoir. Et j'ai été bénie quand ma sœur a commencé à parler d'intimité. Mmh. Parce qu'à des moments de mon parcours, je me suis retrouvée. Peut-être que je n'étais pas à la piscine pendant 38 ans. Mais dans mon histoire, j'étais à ma piscine à moi. My God. Et moi, c'était la piscine du rejet. C'était la piscine de l'abondance. À un moment donné, j'ai dû regarder en moi-même, et comme cette femme qui est entrée en elle-même. Mmh. Et j'ai dû dire non, l'histoire n'est pas encore finie. Si tu sais, quand tu m'as vu écrire « Il n'est pas trop tard », c'était pas juste quelque chose pour faire joli. Mmh. C'était un cri de victoire. C'était un cri prophétique pour dire à quelqu'un « Tant que tu es debout mmh. ». J'ai pas dit « Tant que quelqu'un vient te relever oh, ». J'ai dit « Tant que toi, tu n'es es debout, debout. Oh. Tu n'as pas encore échoué ». Et alors, je suis rentrée en moi-même. Sis, j'ai vu, tu connais un peu mon histoire. Oh, j'ai yes. vu come des on. Personnes. J'ai vu cette relation dans laquelle j'avais tout donné. Je me suis accrochée. J'ai yes. fait de cette relation ma relation par excellence. Et j'ai fini par être détruite à l'intérieur de moi, à être détruite dans mes pensées. Je me rappelle quand celui qui est aujourd'hui mon mari m'a rencontré la première fois, il m'a dit « Waouh, mais je vois quelqu'un qui a tellement de potentiel, mais qui semble être tellement brisé. » C'est pas que ça semblait, c'était la réalité. Mais à un moment donné, j'ai dû développer ce dont tu as parlé, la culture de l'intimité avec Dieu. Parce que c'est là qu'on se bâtit véritablement. Yes. Beaucoup font l'erreur d'aller se bâtir auprès d'autres personnes. Toi, ça ne va pas chez toi, tu veux appeler un frère en Christ. C'est une bonne chose d'avoir du soutien. Mais des fois, tu veux appeler trop de personnes. Mais la personne que tu dois appeler, invoque-moi au jour de la détresse. Et là, j'entends Jérémie 33, n'est-ce pas? Jérémie 33, 3, je crois. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse. Quelle est ta détresse actuelle? Quel est le puits dans lequel tu te retrouves? Oh my God. Quelle est cette situation où tu te sens abandonné? Je dis, l'histoire n'est pas encore terminée. Je dis, l'histoire n'est pas finie. Il est le Dieu des disqualifiés. Mm. Il est le Dieu qui prend celui qui n'avait plus rien. On dit, de la boue, il retire l'indigent. Oh, c'est de la boue, il nous a retiré, toi et moi. Tu sais, tu as le mot puits, tu l'as dit deux fois. Mm. Tu vois, et tout de suite, pendant que tu dis puits, je pense à la femme samaritaine. Mm. Tu sais, la Bible dit, Jésus étant fatigué par le voyage, il s'est assis près d'un puits. Mm. Et la Bible dit que ce puits-là, c'était le puits que Jacob avait laissé à Joseph. Mmh. Et la question parfois que je me suis posée récemment, c'est à quel type de puits nous asseyons-nous lorsque nous sommes fatigués? So deep. Ce puits était un héritage. Et je reste convaincue que la plupart des choses que nous vivons aujourd'hui sont dues au puits que nos ancêtres nous ont légués. Oh. Et parfois, ce sont des mauvais puits. Tu es combattu, les attaques, telle par-ci, les puits. Mais cette femme samaritaine aussi est allée à un puits. Mmh. Elle est allée de relation en relation. Écoute, toi et moi, on est des femmes. Toi et moi, nous savons qu'une femme, si tu as fait un mariage, tu as raté. Oui. Dans un deuxième, tu rates. Ça dit que cette femme était certainement en quête de quelque chose. Wow. Elle avait besoin d'amour. Elle avait besoin d'attention. Elle avait besoin que quelqu'un lui donne des paroles valorisantes. Mais elle cherchait ça dans une relation. Mmh. Mais un jour, elle a rencontré le septième homme. Il était assis sur un puits. Elle a littéralement rencontré un puits assis sur un puits. Oh my God. Et la Bible dit que... Et c'est pourquoi j'aimais quand tu parles de puits. C'est vers quel type de puits nous tournons-nous? Est-ce que c'est le puits des réseaux sociaux? Facebook, WhatsApp, TikTok? Où des gens vont te dire des choses qui ne te bâtissent pas, qui ne te nourrissent pas, qui ne t'aident pas à grandir ou même à croire en toi? Mais on aimerait te parler d'un autre type de puits. Un autre type une de personne puits. Qui est elle-même l'incarnation du puits. Yeah. Où tu vas vers elle, Jésus, my God. Des sources d'eau vive. Je dis, le puits de Jésus. Et j'aime comment mon mari le dit. Il ne dit pas, mais c'est ce qu'il m'avait dit à moi à l'époque lorsque je vivais cette saison de crise, des blessures. Vous savez, hey my God, non, Dieu change. Non, si Dieu change, Dieu m'a changé. Non, il continue de me changer, tu vois, non. Mais vous savez, j'étais une femme aigrie. Vous savez, quand vous êtes blessée, vous êtes méchante. C'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde les gens sur les réseaux sociaux, les gens sont dérangés quand ils voient le bonheur des gens. Ils sont prêts à faire des lives pour parler de la vie des gens, pour critiquer. Je les comprends. Mmh. Parce que pour moi, quand je vois quelqu'un faire ça, c'est juste le signe que la personne est vide. Parce que je n'ai aucun intérêt à m'asseoir sur un live pour dire du mal de quelqu'un. Oui. Et je réalise que moi-même, j'étais comme ça avant. C'est pourquoi même aujourd'hui, j'ai du mal à juger. Parce que quand vous êtes blessé, vous ne pouvez pas donner autre chose. Mmh, parce que c'est la source, c'est ce que tu es. Mmh, une source amère ne peut produire que de l'eau amère. Mmh. Une source... Tu vois ce que je veux dire, Sis? Tout à fait. Et donc, quand j'étais aigrie, je me rappelle à cette époque, j'avais toujours... J'étais aigrie. Mon mari m'a dit, ma femme,
Les vides qui sont en toi, ce n'est pas à moi de les combler. Mmh. Les vides qui sont en toi ont une forme, la forme de Jésus. Mmh. Accepte juste que Jésus remplisse ces vides-là. Mmh. Accepte Amen. Que le puits de Christ remplisse les vides qui sont c'est en toi. Et tant que vides. Je voulais que ce soit l'homme avec grande tâche qui remplisse le puits, eh ben, je n'étais pas mieux, je n'allais pas bien. Mmh. Mais une fois que j'ai accepté de me tourner vers le puits de Jésus, comme cette... Ah, le véritable mmh. Comme cette femme samaritaine, me voilà en train de prêcher l'évangile. Ah. Comme cette femme samaritaine, me voilà remplie d'assurance. Ah non, mon assurance ne vient pas de moi, ne vient pas de mes capacités. Mm-hmm. Mon assurance vient de ma source. Yeah. Mon assurance vient de Christ. Mon assurance vient de celui en qui, my God, j'ai décidé de placer ma fondation. Yeah. Mon assurance vient de Jésus. Et dès l'instant où tu acceptes d'aller vers ce puits, la femme brisée devient, la femme brisée devient celle qui secourt les autres. Mm-hmm. La femme qui était disqualifiée devient celle qui encourage les autres. Yeah. La femme qui était rejetée devient celle qui prêche Alléluia. L'évangile. My God, c'est... qui était rejetée devient celle God. Qui prêche l'évangile. My je te God. Dis que tu iras prêcher. En fait, j'ai envie de dire mieux, ta vie même sera un témoignage. Alors qu'on va te regarder passer par-ci, par-là, on dira, mais c'est pas la pécheresse d'autrefois. Oh my Qu'est-ce God. Qui s'est passé? Oh. Mais Jésus est passé par là. Oh. Elle a rencontré le véritable puits. Elle a rencontré celui Merci qui dit, Jésus. Venez à moi. Si vous êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Quand tu nous vois aujourd'hui, c'est pas qu'on n'a plus rien à apprendre. C'est pas qu'on est arrivé. Mais on a le repos. Oh, yes. On vit dans le repos. Yes. Parfois, comme pour tout le monde, vous nous écoutez, c'est parfois aussi dur. Come mais on. On a la véritable source. Come on l'a découvert. Oh, et yes. depuis qu'on a découvert ces sources, nos vies n'ont plus jamais été les Come mêmes. On. Nos non, vies n'ont non, plus non. jamais été au même stade. Et tu sais, Sis, j'ai été bénie de remarquer aussi que pendant les temps où nous sommes disqualifiés, soit par les hommes, les circonstances, ou par nous-mêmes, Dieu nous équipe, Dieu Come nous on. Forme. Come on. Et là, j'ai l'exemple, en la fait, préparation, de la préparation. J'ai l'exemple, en fait, du roi David. Mm-hmm. David, en fait, qui se retrouve loin de sa famille, mm-hmm. son père lui-même, on connaît l'histoire, ne l'apprécie mm-hmm. pas, ses frères, etc. Et il est dans une forêt quelque part là-bas, mm-hmm. au loin. Come c'est on. Lui qui fait les tâches qui sont bizarres. Mm-hmm. C'est lui qui doit aller apporter la nourriture à ses mm-hmm. frères, tout ça. Mm-hmm. Mais alors qu'il est dans cette forêt là-bas mm-hmm. disqualifié, mm-hmm. Dieu est en train d'investir Come on. À lui, en Come lui. On. Dieu lui apprend le courage. Comment mm-hmm. je le sais? Parce que pour aller tuer quand Come même on. Un oh. ours, il faut quand même qu'à un moment donné, tu sois courageux. Yeah, tu yeah, vois. Donc yeah, Dieu yeah. est en train d'investir en lui mm-hmm. le courage. Dieu est en train d'investir en lui mm-hmm. la force. Dieu est en train d'investir en lui un mental d'acier. Parce que quelqu'un qui a tué un ours sait que mm-hmm. devant quelles circonstances, oh, je God. Ne pourrais pas me tenir. My Alors God. Là, on cherche quelqu'un pour affronter Dieu. Goliath. Ce même David, le disqualifié, mm-hmm. le rejeté, a tellement vu Dieu faire, mm-hmm. a tellement vu que devant l'ours, Dieu ne l'a pas abandonné. Mm-hmm. David a développé maintenant un mental qui n'est plus le mental avec Come lequel on. Il est rentré dans la forêt. Come il on. Sort avec un mental de victorieux. Oh, il sort yes. avec un mental du fait que j'ai tué l'ours, le lion, toutes ces choses-là. Alors David dit, moi, je me suis toujours posé la question, mais comment un petit comme ça, avec quel courage? Mais My il avait God. Été préparé par Dieu. Alors il a pu se lever et j'ai compris que parfois, ce que nous vivons, mm-hmm. le rejet que nous avons, mm-hmm. les endroits même où nous nous retrouvons, mm-hmm. on doit pouvoir être assez sage pour tirer l'enseignement que Dieu veut nous donner. Parce que si tu ne tires pas l'enseignement, Come quand Goliath viendra, tu ne pourras pas dire « je peux Come t'affronter ». Mais il y a des temps dans la vie où tu as tellement vu Dieu mm-hmm. te secourir que mm-hmm. quand la situation vient, Come tu te on. Tiens ferme. Tu yeah. peux aller devant ce problème de papier, yeah. tu peux aller devant ce problème administratif, yeah. tu peux aller devant ce problème de stérilité et dire « j'ai vu mon Dieu faire yeah. alors que j'étais dans la forêt où personne ne me voyait. Je l'ai vu me délivrer là-bas. Alors si Dieu m'a délivré de yeah. ce qui était hier, c'est pas aujourd'hui oh qu'il ne le God. Fera pas. Come et on. Parce que tu as cette assurance-là, mm-hmm. parce que tu as été préparé, tu connais Dieu dans une Come nouvelle on. Révélation, une nouvelle Come profondeur. On. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Tu connais Dieu dans une nouvelle relation, dans une nouvelle profondeur. Tu sais, je pense que c'est dans Job 42 où la Bible dit, d'ailleurs j'ai été choquée lorsque j'ai lu cette portion de texte, où Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Ça veut dire qu'il y a un moment où on te parle de Dieu à l'école du dimanche, le pasteur te parle de Dieu, mais le véritable moment où tu vois Dieu, c'est lorsque tu passes par des moments difficiles. Donc en fait, les moments d'épreuve deviennent comme la phase que Dieu utilise pour se révéler à toi dans une nouvelle dimension. Yes. C'est pourquoi j'ai aimé d'ailleurs quand tu as parlé de la préparation. Mm. Ça veut donc dire qu'en fait, certaines situations que Dieu permet que l'on vive, en réalité, elles sont prophétiques. Mm. Elles sont là comme pour nous préparer. Elles sont là pour nous préparer pour nos prochains combats. Mm-hmm. Tu vois? Et j'aime ça en fait. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette situation que tu vis, est-il possible que c'est les choses que Dieu permet sur ton chemin parce qu'il veut t'attirer à lui?
Il veut t'emmener à un face-à-face. Écoute, la Bible dit que c'est pendant que Jacob est dans un moment de turbulence. Il est en panique parce qu'il doit rencontrer son frère. Il ne sait pas comment il va affronter cette situation. Peut-être que toi, ce n'est pas un Ésaü autant pour moi que tu dois rencontrer. Peut-être que toi, c'est la maladie que tu dois affronter. Peut-être que c'est un problème financier que tu dois affronter. Peut-être que c'est ta famille. Peut-être que son époux. Peut-être que c'est le divorce que tu dois affronter. Ce que j'ai aimé, c'est que si la Bible dit, Jacob resta seul. Pendant une grande partie de sa vie, Jacob a lutté pour avoir sa femme, ses femmes. D'ailleurs, il a travaillé 14 ans pour avoir sa femme. Mais la femme pour qui il avait travaillé 14 ans, il était d'accord de la laisser partir. C'est-à-dire que les richesses même pour lesquelles il s'était battu, il a dit, aujourd'hui, j'ai la femme, j'ai les enfants, j'ai les richesses, mais là, je réalise que j'ai besoin d'autre chose. Il a dit, allez-y devant, allez-y devant. Il avait besoin de rester seul. La Bible dit, Jacob demeura seul. Les amis, il y a un moment, vous avez besoin d'accepter de demeurer seul. Et je ne parle pas d'une solitude où vous vous isolez de la foule, où vous dites aux gens, laissez-moi tranquille, je ne veux plus avoir des relations. Non, ce n'est pas de ce type de solitude dont je parle. Je parle d'une solitude où vous réalisez que, quel que soit, tu as la voiture, tu as le mari, tu as les enfants, tes affaires prospèrent, mais malgré tout ça, il y a un vide en toi. Il y a quelque chose qui manque. Et à ce moment, tu sens que le Saint-Esprit t'attire à lui. C'est cette solitude. Et je prie que dans cette saison, au lieu d'être focalisé sur ta montagne, que ta montagne t'oblige à avoir ce face-à-face avec Dieu, qui va t'emmener à réaliser que, my God, à qui d'autre irais-je? Parce que tu as les paroles de la vie, qui va t'emmener à parler comme Jacob. Je ne te laisserai pas partir tant que... Jacob avait tout. Mais de quelle bénédiction il parle? Il parle encore. Mais Jacob, tu as la femme. Tu as voulu la femme, tu as les femmes, tu as les enfants, tu as même pris l'identité de ton frère pour la bénédiction. Mais Jacob, tu as la bénédiction. Mais de quel type de bénédiction? Et là, j'ai envie d'attaquer la partie de l'identité. Vous savez, une bénédiction sans authenticité ne produit pas le bonheur. Jacob avait la bénédiction, mais il n'était pas heureux parce qu'il manquait quelque chose. Il avait besoin de la vraie bénédiction, celle-là qui vient avec la rencontre avec le divin. Amen. Et je prie que dans cette saison, my God, Saint-Esprit, alors que je parle, recommence à créer la soif dans le cœur d'une femme, d'un homme, quelqu'un qui n'arrivait plus à prier. Crée la soif de la prière, la soif de te connaître, la soif de l'intimité, la soif de repartir à l'église. Il y a quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Tu avais décidé de ne plus aller à l'église. Recommence à aller à l'église. Toi, tu avais décidé d'arrêter de servir. Recommence à servir. Il y a une personne, tu t'étais refroidi dans le zèle du service. Recommence. Que le Saint-Esprit augmente ce feu en toi. Il y a quelqu'un, tu as dit, je ne fais plus, je ne paye plus ma dîme, je ne paye plus les offrandes. Recommence, Saint-Esprit de Dieu, parle au cœur, touche quelqu'un. Ah, et j'entends ce mot dans mon esprit, recommence. Come on. Je vois des personnes qui ont commencé des projets et plus de 6 fois, projets ont échoué. Et tu te dis, l'histoire est finie. Ah, et comme Massi était en train de le dire, le mot qui est dans mon cœur, c'est recommence. Celui qui continue, celui qui ne s'arrête pas en chemin, a vraiment l'opportunité de pouvoir remporter la victoire. Si tu t'arrêtes maintenant, tu ne verras jamais cette victoire. Alors je dis, lève-toi. Il y a des moments dans notre histoire où on doit apprendre à s'encourager nous-mêmes. Oh my God, come on. Il y a des moments donnés où par ta parole dans ta bouche, la Bible dit, la vie et la mort ne sont pas au pouvoir de la langue de ta mère, de ton père, de ton grand-père. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Il y a un moment donné dans ta propre vie, tu te lèves, tu commences à dire, je vais y arriver. Je vois quelqu'un qui doit même commencer à écrire des confessions et les placarder dans sa maison de manière à ce que lorsque tu te lèves le matin, tu puisses regarder et dire, je vais y arriver. On t'a dit non, dans cette famille tu te marieras pas, toutes tes sœurs sont pas mariées, avec toi Dieu veut changer le cycle, tout n'est pas encore terminé, l'histoire n'est pas finie, tu vas enfanter parce que Dieu a dit, dans ma maison il n'y aura pas de stérile. Lève-toi, tu te dis non, j'ai déjà fait tellement de choses, j'ai posé des actes prophétiques, j'ai pas encore vu, peut-être que le problème vient de là, tu te décourages. Dieu est venu ôter le découragement dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et je dis, en cette saison, je vois véritablement ce qui t'a retardé hier devenir un tremplin pour toi. Je dis, recommence. Tu es parti à l'hôpital, on t'a dit, non, il y a un problème de santé comme moi. Autrefois, on m'a dit, non, cet enfant dans ton ventre ne grandira pas. Je dis, reva vers ce médecin après avoir prié, après avoir déclaré, après avoir parlé le contraire de ce que tu vois, il sera en train de constater avec toi que l'histoire n'est pas finie. Come on. L'histoire c'est n'est pas finie. C'est pas encore fini. Oh my God. Et tu sais,
là, tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais avant, au début, un peu, tu as parlé de cet homme, qui est, ce paralytique qui était assis à la porte de la belle. Et pendant que tu parles de recommence, tu vois, j'ai cette image qui vient dans mon esprit des personnes qui, parfois, ce n'est pas qu'elles n'ont pas la motivation, elles ont juste besoin d'avoir de bonnes rencontres, oui, d'avoir autour d'elles de bonnes personnes. C'est vrai. Tu vois, regarde ce paralytique, il était là, mais il n'avait pas encore rencontré les bonnes personnes. Yeah. Pierre et Jean. Oui. Tu vois, et j'ai envie de parler, de prier pour quelqu'un. Je veux prier que Dieu te connecte dans cette saison. Amen. À des personnes qui vont provoquer cette soif. Parce que tu sais, il y a des gens qui, lorsque tu les rencontres, tu n'avais plus envie de prier, mais parce que tu l'as rencontré, tu recommences à avoir envie de prier. Tu vois, et j'ai envie de prier que, alors que peut-être que jusqu'ici, tu avais autour de toi des personnes qui t'ont encouragé justement à te déconnecter de la présence de Dieu. Mais que Dieu te donne, que Dieu te donne des gens qui vont contribuer à booster ta foi, qui vont contribuer à t'emmener à avoir un nouveau zèle, un nouveau désir de le connaître, un nouveau désir d'avoir la foi en lui. Vous savez, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire que le discours que tu entends a la capacité d'affecter positivement ou négativement ta foi. Si tu marches avec des gens qui ont échoué, qui ne croient plus en rien, c'est normal que tu ne crois plus toi également. Mais si Dieu te connecte, my God, Amen. Tu sais, si ce matin, tu savais que j'avais perdu mon téléphone. Oui. Je vous raconte l'histoire et c'est une illustration justement, je vais tirer un enseignement qui va vous bénir. Si j'ai perdu mon téléphone jeudi passé et j'ai prié pour mon téléphone. J'ai dit, Seigneur, je veux recevoir mon téléphone, j'ai prié. Et jusqu'à ce matin 6, j'avoue, péché, je n'avais plus la foi. En fait, je n'avais plus la foi que je pouvais retrouver ce téléphone. Je me suis juste dit, bon. Mais tu m'as même dit hier. Voilà, que non, c'est bon, j'accepte, le téléphone est parti. Mais chose étrange, pendant que j'étais en train d'aller dans une administration, un rendez-vous, en fait, j'étais dans un taxi. Et pendant que j'étais en train de parler, donc j'ai rencontré quelqu'un. Donc je parlais avec le chauffeur. Le chauffeur me dit, non, madame. Il y a un autre moyen pour que vous puissiez retrouver votre téléphone. Et donc, grâce à cette rencontre, j'ai pu retrouver mon téléphone. Et lorsque j'ai retrouvé la personne qui avait mon téléphone, le gars m'a dit, « Madame, depuis le jour où vous avez perdu votre téléphone, je l'ai gardé au chaud. » Ouh. Donc, mon téléphone était gardé au chaud, mais parce que je n'avais pas encore fait la rencontre de la personne qui allait me permettre de le récupérer. Ah, donc, il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour nous au chaud. Elles sont là, elles nous attendent. Mais il nous manque juste quoi? La porte. Personne. Parce qu'il y a des hommes qui sont des portes. Oui. Il nous manque des rencontres qui vont. Parce qu'il y a des gens qui sont des portes de grâce. Il y en a d'autres qui sont des portes de disgrâce. My God. Je prophétise dans cette saison que Dieu mette sur ton chemin des hommes qui seront des portes de grâce, des portes de faveur. Des personnes, quand tu vas les rencontrer, elles vont t'emmener à ta bénédiction que Dieu a préparée pour toi au chaud. My God. Oh my God. Je suis bénie et j'ai envie que nous puissions poursuivre, comme tu le sais, dans cette émission. On a toujours des questions qui nous viennent. On prend souvent l'équipe, on prend le temps dans la semaine de prendre plusieurs questions, etc. Et j'aimerais que nous puissions passer sans plus tarder à notre rubrique Ask. Alors, notre sœur Gloire demande... Abusé dans l'enfance, physiquement et moralement, j'ai perdu toute confiance en la vie et en moi. Et elle demande comment espérer en la femme que Dieu veut que je sois, car elle est appelée au ministère. Mais elle a été abusée, en fait. D'accord, elle a été abusée. Oui, voilà, dans l'enfance. Ok, waouh. Elle s'appelle Gloire Grâce. Elle s'appelle Grâce. Déjà, je vais dire à Grâce, à Gloire. Déjà, je vais dire à la sœur Gloire que ce que tu as vécu, je ne souhaiterais ça à personne, même pas à mon pire ennemi. Et que c'est dur, c'est normal. Mais j'ai envie de te dire aussi à ma sœur qui me regarde que Dieu ne nous qualifie pas sur la base de notre passé. Dieu ne regarde pas notre passé pour nous qualifier. Sinon, on ne parlerait pas de Tamar. On ne parlerait pas de Ruth. On ne nous parlerait même pas de la femme pécheresse. On ne nous parlerait pas de plusieurs personnes dans la Bible qui avaient des commencements chaotiques. Mais aujourd'hui, on ne nous parlerait même pas de Paul, qui a été un meurtrier. Et donc, j'ai envie de te dire à toi, ma sœur, que oui, cette douleur, cette situation, le diable a voulu l'utiliser pour te détruire, pour t'empêcher de rentrer dans ton destin. Mais j'aime comment mon mari le dit, l'évêque Michel Hambourouet. Il dit, c'est le pied qui a reçu la morsure du serpent, qui est qualifié en retour pour écraser la tête du serpent. Ça veut dire que parfois, le diable nous attaque,
là où Dieu va nous utiliser. Amen. Peut-être que cette situation, tu as l'impression qu'elle paraît comme une tâche sur le tableau de ta vie. Mais moi, j'ai envie de te dire qu'il est possible que c'est même ça le signe. Ooh. Que Dieu, my God, la Bible dit que lorsque les anges vont apparaître aux bergers, ils vont dire, voici le signe auquel vous reconnaîtrez qu'un sauveur vous est né. Il sera couché dans une bergerie. Et je me suis dit, c'est quoi ce type de signe où on te dit que le sauveur du monde est couché dans un endroit où il y a des, où il y a des animaux, ça sent mauvais, les excréments. Au regard humain, ça peut être, c'est indécent, c'est pas propre. C'est bizarre. Mais au regard, c'est bizarre. Mais au regard divin, c'est le signe. Et j'ai envie de dire à ma sœur, c'est difficile, c'est dur, je sais. Mais alors que tu me regardes, j'ai envie de te dire, tu es toujours là. Tu es toujours là. Ça veut dire que malgré le fait que le diable t'ait donné ce coup, tu es toujours là. Ça veut dire que le diable n'a pas encore gagné. Et tant que tu es debout, tant que tu es sur le chemin, ma sœur, continue d'avancer. Ce que le diable dit te concernant, ce n'est pas ce qui compte. La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. C'est ce que Dieu dit qui compte et c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Et tant que tu crois en toi, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissent, my God, elle deviendra la principale de l'angle. Alors, je t'encourage à croire en toi et à tourner vers tes yeux, vers Jésus. Comme cette femme pécheresse dans sa présence, my God, l'impureté, my God, il prend notre impureté, il nous donne sa pureté. Il prend notre souillure, il nous donne, my God, sa sainteté dans sa présence. Le maître est capable de te donner un nouveau vêtement et je t'encourage à ne pas te déconnecter. Wow, je suis bénie. Amen. Vraiment, sœur Gloire. Nous espérons vraiment que ces paroles sont en train de vraiment t'encourager. Reçois ce nouveau vêtement. On veut prendre la dernière question de notre sœur Amisha qui dit « Pasteur, je cheminais avec un homme qui avait tout pour réussir, mais je l'ai trompé. Nous avons rompu publiquement et ça a été douloureux, mais j'ai compris sa décision. » Et elle dit « Je lui ai demandé pardon car j'ai compris l'erreur que j'avais faite. Comment ne plus vivre avec le poids de la culpabilité et croire au fait qu'un homme pourra m'épouser malgré cette erreur. » Waouh ! Quelle histoire ! Quelle histoire ! J'ai tenu à ce qu'on puisse répondre à ça parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes qui seront encouragées. Je vais commencer en disant comment faire. Je pense que tu dois expérimenter la rencontre avec la grâce. Tu sais, la Bible nous raconte, je ne sais pas si je pense que c'est dans Jean 8, j'oublie la référence, où la femme surprise en flagrant délit d'adultère. La Bible dit qu'alors que tout le monde est prêt à la lapider parce que la vérité, c'est que cette femme avait vraiment péché. Elle avait commis une erreur. Et alors que tout le monde voulait la lapider parce que l'acte qu'elle avait posé était un acte qui méritait une sanction. Lorsqu'elle s'est retrouvée en face de Jésus, en face de la grâce, la Bible dit, vous connaissez l'histoire, Jésus va s'abaisser, il va écrire, il va lever la tête et il va dire, je paraphrase, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre sur elle. Et personne n'a pu jeter la pierre. Et moi, j'aime la question que Jésus pose à la femme. Il va dire à la femme, où sont tous ceux qui te condamnaient? Ils sont où? Parce que la vérité, c'est que nous sommes ce que nous sommes par grâce. Il n'y a personne qui peut dire, même si tu es l'homme de Dieu, la femme de Dieu la plus onctionnée, dans tes moments d'intimité, toi-même, tu sais qu'il y a des moments où tu es faible, où tu tombes. Donc Jésus a dit, où sont ceux qui te... Et la suite m'a béni, moi non plus. Va et ne pêche plus. Ça veut dire que, oui, vous vous êtes trompé, vous avez commis une erreur, vous avez péché. Mais est-ce que Jésus vous aime? Oui. Est-ce que Dieu aime le péché? Non. Est-ce que Dieu aime le pécheur? Oui. Et j'ai envie de dire, ma sœur, Jésus t'aime toujours. Et ses projets pour toi n'ont pas changé. Sinon, pourquoi on parle de Paul aujourd'hui? Paul, toi, tu as seulement... Bon, pas seulement parce que le péché, c'est le péché. Toi, tu as commis une erreur, mais Paul, il a tué quelqu'un. Mais aujourd'hui, on parle de lui comme une colonne dans la foi. Donc, j'aimerais t'encourager à ne pas te disqualifier parce que le maître ne te disqualifie pas. La grâce, my God, la grâce, Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Et si toi aussi tu écoutes et que tu es véritablement comme notre sœur Amisha, dans la culpabilité, je prie que Dieu puisse te relever, qu'il puisse véritablement te restaurer. Alors, j'aimerais que nous puissions maintenant prier. On puisse vraiment prier parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a dit l'histoire n'est pas finie et il y a des personnes qui ont commencé au travers de ces paroles. La foi a commencé à renaître dans le cœur de quelqu'un. Sœur Karel, est-ce que tu peux prier par rapport à ce qui a été dit, par rapport à toutes ces personnes qui ont besoin de voir la foi encore grandir? Éternel mon Dieu, je te recommande ces hommes et ces femmes qui regardent l'écran. Père, je prie dans le nom de Jésus, toi qui es le Dieu qui console,
Tu n'es pas juste un Dieu qui console, mais tu es aussi un Dieu qui restaure. Seigneur, alors que plusieurs d'entre eux étaient convaincus que leur histoire était finie, Seigneur, alors qu'ils nous ont écoutés, éternel mon Dieu, je prie que cette semence qui a été déposée dans leur cœur apporte la vie. Que là où la mort régnait, my God, la Bible déclare, tu as dit au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, ses os peuvent-ils revivre? Ça veut dire que la mort était là. Mais alors que le prophète avait parlé, my God, la vie a pris le dessus. Je prie dans le nom de Jésus que là où la mort régnait, là où le rejet régnait, my God, Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Et Saint-Esprit de Dieu, apporte la restauration, apporte le relèvement. Là où la femme n'était plus capable de se regarder, alors qu'elle écoute, éternel mon Dieu, cette émission, que cette femme, que cet homme soit restauré. Saint-Esprit de Dieu, touche. Saint-Esprit de Dieu, répare. Que le manteau de deuil soit changé en vêtements de louange. Les calabaya santayana mala. Je m'oppose contre toute résistance. Je ramène les pensées et les cœurs captives à l'obéissance de Christ. Que tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Christ soit abaissé. Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous a restauré, toi qui as restauré le pasteur Aïda. Seigneur, la même grâce qui nous a porté, la même grâce qui nous a soutenu, la même grâce qui nous a aidé à aller vers toi, à te chercher, que cette même grâce les soutienne. Saint-Esprit de Dieu, alors que nous prions, je prie que ce soit, que cette prière les intronise dans une saison d'intimité, une saison de soif. Seigneur, alors que la Bible déclare que nous tous, nos visages découverts, contemplons comme dans un miroir. Seigneur, alors qu'ils vont t'entendre, alors qu'ils vont prier, qu'ils puissent contempler ta gloire et que ta gloire les transforme en des hommes et des femmes nouveaux, my God. Descendre à la splendeur. Je vois quelqu'un en ce moment que Dieu va relever. Il est en train de le faire. De telle sorte que la fin de ton histoire, la finalité soit la splendeur. Comme il l'a fait dans nos vies, il le fait pour toi. Je le prophétise, je le déclare. J'ordonne aux circonstances de s'aligner au plan de Dieu, à sa volonté parfaite. Reçois la force pour continuer. Reçois la force pour te lever. Reçois la force comme Joseph pour continuer de croire en ce rêve. Même si tu es dans la prison de l'échec, même si tu es dans la prison de tes erreurs, que les portes des prisons soient ébranlées en ce moment même. Parce que l'histoire n'est pas encore finie. Tu te retrouveras au poste où Dieu t'a dit que tu iras. Continue d'espérer en ce rêve. Ne le mets pas à la poubelle. S'il était mort, je le dis, je suis venu ressusciter au travers de la parole de Dieu ce rêve qui est resté trop de jours dans le tombeau. Lorsque la parole de Dieu est en action, ma Bible me dit qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été relâchée. J'envoie la parole de Dieu dans ta vie en mission maintenant. J'envoie cette parole prophétique. Elle vient, elle te relève. Elle vient, elle te positionne. Elle te recadre. Elle te libère. Elle te construit. Elle te rappelle. Elle te rappelle les promesses que toi, tu avais oubliées. Parce que pendant que toi, tu as oublié à cause du découragement, Dieu n'a pas oublié. La bonne nouvelle, c'est qu'il est assis sur son trône. Il n'a pas changé de discours. Sa parole est oui et amen. Ses paroles sont vraies. Quelle réponse vas-tu apporter? Prophétise sur ses os. La servante de Dieu l'a dit, est-ce que ses os peuvent encore revivre? Est-ce que tu le crois? La réponse, nous le croyons, c'est oui. Tes os peuvent encore revivre. Amen. Ton histoire n'est pas finie. Ton histoire n'est pas finie. Si je crois que tu dois le dire aussi à quelqu'un. Ton histoire n'est pas encore finie. Je dis, même si on t'avait déjà enterré comme Lazare, ton histoire n'est pas encore finie. Yes. Même si toi, tu les hommes pensaient qu'il est trop tard, Marthe a dit à Jésus, il sent déjà mauvais. Même si ton histoire, ta vie sentait mauvais. Je dis, tant que Jésus n'a pas dit le dernier mot, ton histoire n'est pas encore finie. Je dis à quelqu'un, sors, comme Jésus a dit, Lazare, sors, alors que tu m'écoutes. Je dis, sors de cet emprisonnement, sors de ce raisonnement qui te limite, sors de ces limitations, lève-toi, sors de là, sors des liens familiaux, sors. Ce mot est prophétique pour quelqu'un, sors, et reviens à la véritable vie, reviens, parce que si tu pars, tu partiras trop tôt avec ces projets.
projet que Dieu a investi en toi. Refuse de repartir à la fin de ton histoire sans avoir accompli tout ce que Dieu avait dit que toi tu allais accomplir. Je ne pourrai pas le faire à ta place. La révérende Karel ne pourra pas le faire à ta place. Malgré tes erreurs, tu es exactement la personne avec qui Dieu veut accomplir cela. Dieu savait que tu ferais des erreurs sur le chemin, mais il n'a pas été... Il n'a pas été en retrait parce que tu as fait ces erreurs. Dieu te tend la main. Dieu te tend la main. Je dis, Dieu te tend la main. Tu ne mourras pas prématurément. Non, je refuse que toute forme de mort prématurée que le diable voulait envoyer sur ta vie soit brisée alors que tu es sous le son de ma voix. L'ennemi prépare le mal, il conçoit l'iniquité, mais je dis, pour ce qui vous concerne, il enfantera le néant. Je dis, point de mort prématurée pour toi dans cette saison. Je dis, refuse de mourir avant ton temps. Refuse de mourir Satan, avant ton temps. Tu ne mangeras plus leurs semences. Le diable est un menteur. Je dis, Satan, tu ne mangeras plus leurs semences. Ils enfanteront les projets que Dieu a mis en eux. Satan, tu es un menteur. Libère. Que les destinées soient libérées. Tu dois refuser. Au sang de Jésus, refuse cela. Élève-toi, pars avec ce mot, avec cette phrase. Il est le Dieu des disqualifiés. Tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. Ma 6. Tu n'as pas encore échoué, 6. Je n'ai même pas envie de m'arrêter. On est là. C'est la preuve. Oh, j'aime le « on est là ». C'est la preuve que ce Dieu. Ce Dieu. Et souvent, j'aime le dire. Quand je parle de moi, je dis toujours debout. Toujours debout. Et toi aussi, tu pourras le dire. Toujours debout. Quelqu'un a dit sur TikTok, interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Moi, je dis interdit d'abandonner. Si tu abandonnes, c'est trop grave. N'abandonne pas. Ah, vraiment, si. Notre émission arrive à sa fin. C'est tellement un plaisir. On ne voit même pas le temps passer. Non, on ne voit pas le temps passer. Je t'ai dit, c'est tellement merveilleux. Quand on est dans cette présence, dans cette atmosphère, on réalise à quel point Dieu est merveilleux, en fait. Qu'on vient de loin. On vient de loin. Et tu sais, l'apôtre Paul dit, la mort agit en nous afin que la vie agisse en vous. Ça veut dire que parfois, les épreuves par lesquelles on passe, Dieu les permet parce que plus tard, il va utiliser notre douleur pour booster quelqu'un, pour encourager quelqu'un. S'il se regarde, aujourd'hui, on est là. Et on n'en a pas, on n'a pas fini, Dieu n'a pas fini avec nous. Même le diable n'en a pas fini avec nous, mais... On va continuer ce encore. Ce qui est là, c'est qu'on va continuer. Si jusqu'ici, il ne nous a pas mis à terre par la grâce de Dieu, et tant qu'on a les yeux fixés vers le rocher des âges, on va continuer. On va continuer. C'est ce qu'on veut, c'est ce type de pensée qu'on veut laisser dans vos cœurs. Dieu n'a pas fini avec vous. Quel que soit ce que vous avez vécu jusqu'ici, tant que Dieu, tant que l'arbitre de votre vie n'a pas donné le dernier coup de sifflet. Écoute, même si les hommes ont mis une virgule à ta vie, Dieu va, après la virgule là, Dieu continue, il met point. Maintenant, s'ils ont mis point, vous savez que quand une phrase est finie par un point, une nouvelle phrase commence. Si les hommes ont mis point à ta vie là, Dieu, le maître, l'écrivain de ta vie, il va commencer une nouvelle page, une nouvelle phrase. Pour dire que mon ami, ma sœur, c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot. En tout cas, j'espère de tout cœur. Nous espérons que vous avez reçu quelque chose, qu'il y a une parole qui a été déposée dans vos cœurs. Continuez à envoyer vos témoignages. Je crois que si on est encouragé de lire les témoignages, de voir ce que la parole de Dieu produit dans vos vies depuis chez vous. Nous sommes vraiment contents. Si ça monte de la fin, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Non, que Dieu vous bénisse. On a hâte de vous retrouver. C'est ce que je vous laisse. Refusez que les épreuves affectent votre nouvelle vie. Ce sont ces mots qu'on va vous quitter. L'histoire continue. Dieu va continuer d'écrire. En plus, il va mettre la majuscule comme il faut. Soyez bénis depuis chez vous. Nous vous aimons. La Chambre de Sagesse vous aime énormément. Nous espérons que vous avez été bénis. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.